Salut à tous, c'est Noxfaran, on se retrouve pour un nouvel épisode de One Shot. La dernière fois, on a traversé l'océan après avoir guéri le robot rouillé, et on s'est retrouvé dans la deuxième région du jeu, The Glen, qui est remplie de végétation, d'arbres, de trèfles, et de mousse luminescente aussi, qui a l'air d'être la source lumineuse de cette région en tout cas. Et on a aussi fait la rencontre d'un jeune oiseau, nommé je ne sais plus quoi, je sais même pas s'il nous a donné son nom en fait. Mais il cherche sa petite sœur, et apparemment elle serait quelque part dans les ruines. Et on va essayer de l'aider à la retrouver. Oui, il y a des vignes, il y a des lianes sur cette porte. Salut toi. Oui, c'est moi le messager. Je me dirige vers la tour. Le refuge. Ah, c'est la troisième région, ça, il me semble, le refuge. Mais il faut signer mon nom sur ce parchemin. Ok, est-ce que t'as un stylo? Non? Oh, ah bah bravo. D'accord. T'es sûr que je peux pas juste... Non, apparemment, je suis obligé. Je suis obligé de trouver un... Ok, il me faut un stylo, alors. D'accord. C'est bon, bah d'accord, pourquoi pas. Si tu veux, hein. Alors, où est-ce qu'on est là? Bonjour. Les ruines en dessous sont à moitié inondées. D'accord. Est-ce qu'on devrait pas venir ici alors? Il n'y a pas de danger immédiat. Mais ok, ne pas rester ici trop longtemps, ça serait dangereux sinon. D'accord, donc on est enfin dans les ruines avec effectivement un peu d'eau. Des dessins sur les murs qui n'ont pas l'air de... Oh mon dieu, beaucoup de lianes encore. Éventuellement on devrait trouver un moyen d'enlever ces lianes, j'imagine. Rien du tout ici. Rien du tout ici. Ok. C'est vide de personne. Y'a personne du... Oh. Oh. Bonjour. Tu as besoin de m'aider encore? Est-ce que c'est sûr? D'accord, il ne pourra pas avancer plus loin. L'endroit le plus accessible de ta machine. Bien... Je l'ai vu pendant un bref moment, oui. Je saurais quoi faire. D'accord. Donc, le truc c'est que, juste que j'enlève, hein. Voilà, comme ça. J'ai un programme de fond d'écran qui tourne et qui a bougé mes trucs, mais en fait, voilà. Si on passe sur le bureau, le voilà l'indice. C'est le fond d'écran qui a changé. Donc on a une sorte de symbole. On va garder ça en tête. Parce que apparemment il nous sera utile un peu plus tard. Alors, continuons par là du coup. On va descendre par là. Oh! Salut toi! Ouais, on en a vu un peu partout, mais celles-là apparemment elles viennent d'apparaître il y a quelques minutes. Un signe de distress. What? Ah bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Tu peux pas en trouver la source. Ok, peut-être qu'on trouvera cette personne et qu'on l'aidera, j'espère qu'on pourra l'aider. Ça a l'air d'être un endroit important. Voilà. Coucou. Il y a deux enfants qui vivent pas loin d'ici. Ah oui? Non. D'accord. Le couloir est bloqué par des blocs. Oh mon dieu. Bon, ben on n'est plus qu'à descendre. Grande étendue d'herbe.
Oh. C'est moi. Est-ce que ça va? Ouais, peut-être que... Trop tard. Je vois. C'est une bonne question, Nico. On peut pas laisser une personne comme ça souffrir jusqu'au bout sans l'aider un minimum. D'accord. Ok, j'espère que tout va bien se passer. Ah, c'est un peu notre objet le plus important. J'espère vraiment que tout va bien. Tout va bien se passer. On verra bien. Maintenant que ça c'est fait, j'ai plus le soleil entre les pattes. Hey! Oui, j'ai sauvé une sorte de plante, ouais. Enfin, sauvé. Je l'ai juste apaisé, on va dire. Ok, vas-y alors. Ah, oh, c'est. D'accord, c'est l'extérieur ça. On va y aller. Ok, 2 secondes. C'est ça l'héroïne? Oui, c'est là où je suis l'héroïne. On va retourner au village. Parce que maintenant qu'on a plus le soleil entre les patounes. Ok, ça rame un petit peu. Voir si je peux ranger ça. Ok, ça devrait être bon. Oui, ça devrait le faire. Oui, le berger. Tu voulais de l'aide avant. Oui, j'ai les pattes libres maintenant. T'as même une récompense pour moi? Ok. C'est parti alors. Au sud, il y a une péninsule habitée par des béliers. Ils sont tous dans des endroits un peu chiants. Il faut les bouger jusqu'à la mousse, plus sur moi. Et si on a besoin de les réinitialiser, on peut utiliser les cloches. Ok. Donc ça, c'est un petit puzzle de... Un bloc puzzle, j'ai envie de dire, où on pousse les obstacles. Voyons un peu. Réfléchissons. Toi, tu vas là, ça c'est sûr. Toi, je suis obligé de te bouger au moins 2 fois. Ok. Comme ça, je peux accéder ici. Ensuite... Le problème, en fait, ça va être là-haut. C'est parce qu'on a beaucoup de béliers au même endroit. Toi, on va te pousser 1 fois, comme ça je peux faire le tour. Toi, on va te mettre tout en bas. Comme ça, t'es sur ton... Voilà, sur ton coin. Tu bouges pas, t'es sur ta place. Et tu gênes le passage à personne. Ensuite... Ensuite, j'ai juste à faire ça. Ok, ouais, ça va. Easy. On te pousse là. Et puis là. Et voilà. Oh, ce son. Cette victoire. The Ramkind, oui, bien sûr.
Ok, j'ai obtenu de la laine. Cool. C'est complètement inutile. Je peux pas le mouiller, je peux pas l'utiliser pour traduire le journal et je peux pas l'utiliser sur le collier. Ok, c'est tout. Ouais. C'est trop entassé à la. Dans la ville. Ok. What? Oh. Merci le jeu de mots. What? Ok. Toi, tu vas bien? Non, pas très bien. J'ai de la laine complètement inutile. Est-ce que par hasard, toi, vu que t'es juste à côté, est-ce que je peux te le donner? Oui. De la laine, t'aimes bien, non? Un flacon de tu sais pas quoi? Une sorte de. De teinture? Ouais, tu peux me proposer plus? J'ai du mal à avoir cette laine, tu sais. Ouais, en plus on est le sauveur du monde. Ah ouais? Ah, un t-shirt en plus. Ok, ça me va là. Deux objets pour le prix d'un, parfait. Un t-shirt. D'accord, avec un bébé dessus. Et une bouteille de teinture. Bleu foncé. D'accord. Je crois que c'est tout. On va pouvoir retourner dans les ruines. Voir un peu ce qu'on peut y faire. Oups. Ah là, par là. On va remonter et essayer de trouver un endroit où il n'y a plus de. Où il n'y a plus de lianes. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce. Ça rame, je ne sais pas pourquoi. Ok, allons voir par là-bas. C'est vrai que c'est pas trop reconnaissable. Oh, wait. Ah ah. D'accord, et ça c'est quoi? Un des. Ouais, ce sont des carrés encore. Et tu as peur d'y toucher. Ouais, vaut mieux pas toucher à ce qu'on ne connaît pas. Ok, donc. On est face au puzzle dont on a besoin du fond d'écran. Donc, on a une sorte de cercle avec un point au milieu et un point tout en bas. Ça devrait être easy. Comme ça. Ensuite, on fait le tour. Voilà, comme ça je crois. Et ensuite. Comme ça. Yeah. Et ben voilà. Oh, salut, tu es. Ah, mon fond d'écran est revenu à la normale. Ok. Tu es la petite sœur, non? Allô là, c'est ça. Oui. Wait, comment tu sais que je suis le messager. Calamus, ok. Oui, je peux t'accompagner jusque lui. Ouais, comment tu savais que j'étais le messager? Parce que j'ai pas le soleil avec moi. Mes yeux? Non. peut-être. Vraiment. Donc c'est un monde fait de chats, de personnes chats. Oui, n'y connaît pas de ce monde. Yep. Ben, il est. Ouais, il est pas mal, mais c'est vrai que ça manque de soleil, quoi. Il devient de plus en plus dangereux ici. J'espère. J'espère que j'y arriverai. Et elle me suit maintenant. Parfait. Hop là. Allez, on n'a plus qu'à aller voir son frère. Meilleur moyen d'y aller. C'est encore de.
Non, c'est pas vraiment le meilleur moyen de faire ça, mais c'est pas grave, on va y arriver. Sortons par là. Voyage rapide. Forêt. Et nous y voilà, salut. Allô. Voilà. Ah, ça fait du bien de les retrouver. Yep, à cause des carrés. Ouais, les carrés blancs, volants. Donc ça se propage. Il y en a de plus en plus alors. Eh ben. Ouais, c'est quoi? Bad. Oh. Oh, donc c'est ça? C'est de ça que Silver parlait? Est-ce que remettre le soleil en place pourrait supprimer toutes ces anomalies? Bonne question. Non, t'en fais pas, c'est normal. Je suis qu'une personne normale, c'est tout. Exactement, c'est juste un enfant. Oh ouais, pourquoi pas. Ok. Elle est trop chou, elle, là, je trouve. Allez, c'est parti, voyons un peu où votre maison. Oh. Oups. Bon. Oui, on aurait peut-être dû y penser, Nico. Ouais. Ok. Donc tu vis dans les ruines, ça. Bon. Oh. Merci. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Oh! Oh, c'est chou! Une plume qui brille! Ouais! C'est trop beau! Du grand prophète? Une vieille dame que notre père connaissait. Waouh! Un peu comme un certain. Non, pas prophète bot. Lui, il est juste programmé. C'est incroyable! Ah, elle est morte! D'accord. Eh ben, c'est très gentil à vous alors. Merci. Oh, je l'ai. Oh, ouais. Je l'ai prêté à une dame qui ne se sentait pas très bien. Maze? C'est son nom? C'est un esprit de la nature? Ah, oh, je vois. Ouais, ça. Une plante a besoin de soleil pour vivre, donc. Ouais, le problème c'est que c'est peut-être trop tard pour elle. Moi aussi. Dis-moi, tu as un livre comme celui que j'ai? Tu lis? D'accord. Oh, il t'a appris comment lire. Peut-être qu'il faudrait qu'on le voit, ce gars-là. Est-ce que je peux... T'as envie de le finir, bon. Et t'as rien à dire dessus, toi? Oui, c'est un livre. Et tu peux pas encore lire, toi. Et votre ami... Oh, ok. Donc faut que je trouve votre ami, éventuellement. Ok, cool. Autre chose, ça?
Oh, de la nourriture périmée, oui. Oui, effectivement. Bon, dans les vases, peut-être? De la mousse sèche. Ok. Mousse asséchée. Des poissons asséchés. Un lit. Enfin, plutôt un matelas. Une canne à pêche. Ah, tu pêches, Nico, de temps en temps? Ah non, tu aimes juste le poisson. Pas pêcher, juste les poissons. Oui, soupe. Oh, il y en a qui les mangent cru. D'accord, donc je peux pas aller dans la salle au bout. Ça, c'est quoi? Oh, une peluche. À toi. Le même ami qui devrait t'apprendre à lire, c'est ça? C'est un renard. Et un peu... What? Un renard qui parle? D'accord. C'est mignon. Ouais, c'est gentil. Ruby. Oh, j'ai un chat qui s'appelle comme ça. C'est mignon. D'accord, une petite peluche de renard. Et ça a l'air d'être tout ce qu'il y a. Ok. Bah merci pour votre hospitalité. Est-ce que j'ai quoi que ce soit à vous donner? Langue, peut-être? Non. C'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi cet endroit? Oh! Ah, c'est votre jardin? Ah, cool. C'est sympa de venir avec moi. Les habits! Ouais. Ça fait pas genre 3 jours qu'ils sont en train de sécher ici. Ah ouais? Oh, c'est complètement englouti sous les eaux par contre. D'accord. Ouais. Ah, de l'eau et. Ok. Cool. Oh, une balle! Oh, elle commence à se dégonfler, c'est ça? D'accord. Des poissons? Fish! Fish! Elle est trop chou, Alula. Et une cloche. D'accord. Et là? Oh, encore, de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça le passage souterrain? Qui est effectivement un peu enseveli sous les eaux. Hein. Il est complètement englouti. Terre sacrée? Bah ouais, là c'est il y a de l'eau partout. Il y a pas de bateau. Oh, c'est une sorte de cimetière. Oh. Je vois. Ouais, comment t'as fait pour passer? Entre amis encore? Waouh, vraiment? Une machine volante? Il est impressionnant comme mec, dis donc. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oh. Je me demande si on le verra un jour, cet ami. Peut-être. Peut-être dans la ville, peut-être qu'on le croisera en ville. Je sais pas. Ok, je crois que... Oui, je crois qu'il est temps, les amis. Merci, Alula. Yep. Ouais, moi aussi, je suis content de vous avoir rencontré. Et merci pour la plume. Autre chose ici, peut-être? Non. Non, je peux toujours pas aller dans la salle, non. La peluche... Ah, t'en as un aussi? Mais toi, c'est une chouette. Oh, c'est mignon. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste du coup? Récupérer le soleil, je crois. Peut-être que maintenant, je peux le récupérer. Tu. Oh non.
Non, je sais pas. J'ai cru qu'on avait fait un mauvais choix là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, elle est partie. C'est quoi une graine? D'accord. Une graine laissée derrière par Maze. Est-ce que je peux la mettre dans l'eau? Non. Non. Oh wait. Est-ce que par hasard ça marcherait? Ouais! C'est ça qu'il nous faut, un stylo! Nice, ok. J'espère juste que ils m'en voudront pas d'avoir fait ça. Parce que cette plume est censée être sacrée quand même. Ah, bon. Maze est parti. Heureusement, le. L'ampoule est intacte. Ça, j'ai eu peur pendant un moment. Et il y a une dernière salle que j'aimerais vérifier avant de partir. The Gate. Ah bah voilà, impeccable, c'est exactement là où je voulais aller. Ok, c'est... d'accord. Allez, cool. Tu veux te reposer un peu, Nico? Ouais. Si c'est ça, on va le laisser se reposer. Et on le réveillera dans le prochain épisode, d'accord? Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut. Bonne nuit, Nico.